La société Océan a vu le jour en février 2000 sur le kilomètre Delta à Nîmes. Nous étions trois personnes, mon épouse, un collaborateur et moi-même. La société aujourd'hui compte 265 collaborateurs. Nous nous considérons comme une vraie entreprise du territoire. Dans le terme territoire, j'entends la proximité nîmoise et notamment la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole. Dans le cadre de nos métiers, qui se déclinent en trois grands axes, que sont la propreté urbaine, la collecte des déchets ménagers, la collecte sélective, ainsi que la gestion des déchetteries. Nous avons été amenés depuis plusieurs années maintenant à travailler pour le compte de Nîmes Métropole au travers de marchés publics. Nous n'avons jamais quitté le territoire nîmois ni de la métropole nîmoise parce que, effectivement, on a toujours été très, très bien accueillis. On a innové en conservant notre premier site sur la zone du kilomètre Delta. Nous avons installé une structure qui s'appelle Océan Concept, qui est une filiale de notre groupe, afin de développer toute l'innovation qu'on a voulu mettre sur la société de propreté, avec des véhicules sourcés dans certaines entreprises européennes notamment. J'invite toutes les entreprises qui chercheraient effectivement à s'installer, soit pour des produits innovants, soit pour de la nouvelle technologie, à se rapprocher de Nîmes Métropole. On y est très, très bien accueillis. Beaucoup de personnes sont à votre écoute pour vous aider à vous implanter. On s'est associé dernièrement avec trois jeunes en génie électrique de l'IUT de Nîmes qui avaient peut-être l'intention à un moment donné, si on ne les avait pas aidés, de partir. Aujourd'hui, ils ont été aidés. Ils sont implantés sur l'IUT de Nîmes. Océan Concept et Océan Propreté collaborent avec eux. Et ce sont, pour moi, trois jeunes qui sont en devenir dans les métiers de l'électrique puisque c'est le choix que nous avons fait pour l'ensemble du parc de matériel de la société.